Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase avec Stéphane Monette et Luc Bonneville. Bon matin, on va parler de chasse à pêche de plein air, comme on fait d'habitude. Avec moi-même, Stéphane Monette, mais un matin, il y a Luc Bonneville avec moi. Écoutez, on est présentement chez Sécorel, on a pris le boat à Luc, on est allé se placer d'une baie. Ce que vous voyez en arrière, là, c'est le setup. Ouais, c'est le setup de chez Sécorel. Puis on est après jaser tous les deux, tu sais. Puis là, on est tard un matin, on s'est couché tard hier, là, c'était le feu de camp, blablabla. Mais on est après. Tout de suite, les deux, on a fait de la même affaire. On parle, on place le setup, comment est-ce qu'on va vous jaser. On entend les bateaux passer, tu sais. On s'en regarde, on fait. Ils sont bien trop tard. La fin, c'est fini. À l'heure, nous autres, on fait le show, les gars qui sont partis à la pêche. En tout cas, on va vous parler du Kamika ce matin. Avant de rentrer avec Luc, je vais vous parler d'une couple d'affaires qui s'est passée hier pour vous dire un peu comment est-ce que la journée s'est passée. Premièrement, ben, dans les capsules, si vous avez suivi la page Instagram, si vous avez suivi Facebook, je vous ai mis des photos de toutes les activités qu'on a faites, dont l'ajustement des télescopes hier. On a fait une simulation comme si tu étais à la chasse, tu casses ton télescope. Puis tu pars, tu t'en vas dans une boutique, t'en achètes un, le gars dit j'ai pas personne pour pouvoir te l'installer. Ben hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré. On a une vague qui s'en vient. On va juste faire ça, on va juste faire le cas que la caméra parte. Mais ce qu'on a fait, c'est en fin de compte, on s'est organisé pour que vous soyez capable d'être indépendant quand vous êtes à la chasse, d'être capable de vous déprendre. Autrement dit, de vous démarder quand vous êtes pogné. Fait que c'était ça hier qu'on a fait. Après ça, ben on a fait, bien entendu, ça va brasser. Là. Non, c'est bon. Ouais, c'est ça, on est dans un bon bateau. On est dans un bon bateau. On va vous montrer ça après. Mais c'est ça. Fait que tu sais, le but du voyage qu'on a fait là, ouais, ça brasse. Le but qu'on a... Je la tiens. Hein? Le but qu'on a fait ça, c'est... C'est un plan d'urgence, dans le fond. Ouais, un plan d'urgence, puis les week-ends qu'on fait comme ça, on s'adapte à vous autres de ce que qu'est-ce que vous voulez. Fait que hier, ben, je parlais avec les gars, on disait, ouais, comment t'ajustes un télescope? Ben, de l'ajuster, c'est une chose, mais après ça, on a monté au chantier, puis on est allé tirer. Puis, pour vous donner une idée, j'ai fait exprès pour faire des erreurs. Fait que quand je suis arrivé pour tirer, je me suis mis à tirer. La carabine à pinet, ça allait super bien. Les gars ont dit, ah, ouais, c'est pas dur à ajuster. Je gardais bien ça. J'ai pris le scope, j'ai juste brossé un peu. J'avais fait exprès pour pas bien visser mes vis. Okay. Fait que tout de suite, le scope, en revissant, j'avais changé de 12 pouces plus bas puis 4 pouces à gauche. Tu as juste resserré tes vis dans le fond. Oui, mais ce que j'avais fait, c'est... Là, je voudrais te regarder, mais si je lâche ça, on va prendre une débarque. Fait que je veux pas dire que j'ai torticolé, mais c'est parce que... OK? mais oui, c'est ça. Hier, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai vissé en angle, mais pas bien comme il faut. Fait qu'à force de tirer, je savais que ça lousserait. Ouais. Ce que je voulais, c'était de montrer aux gars de vérifier leur affaire, faire attention. Puis ils ont bien vu, tu sais, comment est-ce que c'était. C'est bon, on peut lâcher ça. Mais tu sais, le but, c'était de le montrer. Toutes les petites précautions qu'il faut prendre quand on est à la chasse, vos bottes... Juste resserrer les vis, tout le changement sur notre tir. Tout le temps, tout le temps. Fait que tu sais, il y a eu ça. Après ça, on a fait une clinique. Luc Lamirand a fait une clinique sur les fusils. C'est qui Luc Lamirand? C'est le... Merci, Luc. Ouais, ça fait plaisir. c'est ça. Luc, c'est le... Avec Manon, son sablonne, c'est les représentants au Québec de Beretta. C'est eux autres. C'est le directeur des ventes chez Beretta au Québec. Puis Luc était avec nous autres hier. Il a amené... on avait 76 guns hier qu'on montrait aux gens. On avait toutes les couleurs de fusils A400. Fait que ceux qui voulaient voir toutes les camos, on les avait pour le prochain achat. Puis... Dans la capsule qu'il a faite, c'est qu'il a démonté un A400 au complet. Il a monté l'entretien. Comment est-ce qu'il fallait que ça soit fait? Puis après ça, on a tombé dans le casting des guns. Comment ajuster les guns? Comment faire? Pour que vous compreniez. Puis quand tu achètes, ben, tout le site en vend. Quand tu veux un fusil, quand vous recevez un fusil, il y a deux plaquettes. Il y a une plaquette en métal dedans, puis il y a un washer. Puis souvent, tu pognes le washer, puis ça, puis le soda, moi, j'ai pas besoin de ça. Ben hier, moi, je sais à quoi ça sert, là. Mais en fait, hier, on a sensibilisé les gens à l'ajustement d'un fusil. Quand tu tires trop à gauche, trop à droite, trop en haut, trop en bas, ben en fait, le but, c'est de casser ton fusil puis que ton fusil tire bien. Fait que, tu sais, c'est un chim qui vient se mettre entre ta crosse puis ta mécanique. Exactement. Puis à l'intérieur de ta crosse, l'autre pièce de métal, elle a un trou. Puis que tu mettes d'un bord en haut, en bas, ou que tu avais d'un bord à gauche, fait que ça va casser ton fusil de gauche à droite, de haut en bas. Exact. Pour pouvoir le placer. Pour être capable, qu'on soit capable de bien mettre notre œil à bonne position pour qu'on voie vraiment toute notre réalité. Exactement. Okay, puis hier, ben, de la façon qu'on faisait ça avec les. Je mets ça clair parce que des fois, lui, il pense qu'on est. C'est clair, avant. Lui, c'est clair. Moi, je le ramène un peu. C'est bien parfait. On va prendre du souvent. Puis là, en plus, après, ce qu'on avait fait, c'est que dans chaque fusil, on avait un laser dedans. Fait qu'on disait au gars, prenez le fusil.
épaulé. Là, les gars voyaient à gauche, à droite, offset. Tandis que quand moi, je le prenais, ben moi, le fusil était ajusté pour moi. Ouais. Ben c'était parfait. Fait que tu sais, ça l'a sensibilisé sur le fait de l'ajustement, comment est-ce que c'est important. Puis on est capable de le faire aussi sur le A400? Toutes les fusils. Toutes les fusils. Ça, ça marche sur toutes les fusils. Parfait. Là, hier, c'est sûr qu'on parlait du A400, mais ça marche sur toutes les fusils, toutes les façons de faire. Fait qu'on va parler de ça. Puis après, ben j'avais Strikeman, les fameux ajustements de tir Strikeman, parce qu'on sait qu'on... Ils ont de la misère à avoir des balles. Fait que hier, ben. Je sais pas de quoi tu parles. Fait qu'hier, ben, on avait ça aussi. Fait que, tu sais, j'ai sensibilisé sur la pratique, comment ça se faire. Fait qu'on a eu du fun. Puis après ça, on a monté au chantier. Puis au chantier, on a fait tir à carabine. Fait qu'on a fait essayer la S20. On a fait essayer la Momentum de Frankie. Mm-hmm. On a fait essayer la Finlite. Puis après ça, ben, quand on a tombé dans les fusils, moi, ce que je voulais montrer aux gens, c'est, tu sais, le forcing cone. Je parle souvent du forcing cone, là. L'importance que quand les billes sont dans un canon de fusil, puis qu'ils vont s'entrechoquer ensemble, c'est ça souvent qui fait un coup sur l'épaule plus fort. Okay. Ben, on avait trois fusils pour montrer les différences de forcing cone pour okay. que quand ils tiraient, fait que chacun passait trois coups. C'était deux coups au fusil. Deux coups, là, il essayait, mettons, l'Ultra Leggerio qui est fait pour la chasse, mais qui n'est pas fait pour tirer beaucoup. Okay. Lui, c'est une bonne taxe sur le nez. une bonne taxe sur le nez. Puis après ça, ben, ça allait avec le 690. Puis on finissait avec le A400, parce que la technologie du A400, c'est la même technologie que le fameux DT11, qui est le fusil des Olympiques, puis toute la kit, qui sont faites pour tirer. Fait qu'hier, tu sais, quand on fait un week-end comme ça, ben, c'est pour vous sensibiliser sur ça. Puis c'est la première fois qu'on faisait ça de même. À date... En passant, moi, je suis arrivé hier soir. Ouais. Puis tous les clients qui étaient ici, là, ils m'ont tout dit. C'était généreux, c'était fou. Je pensais même pas. Bon. Je vais en parler à mes chums, je vais revenir l'année prochaine. Bon, ben tu sais, c'est ça. Mais là, justement, ça boucle déjà. Fait que si ça vous intéresse, puis si, admettons, Nick il est plein l'année prochaine, parce que c'est sûr qu'on va faire ça l'année prochaine, la Nick même qui est le propriétaire de la pauvreté c'est correct. Merci, Luc. Parce que des fois, là, j'arrive dans ton live, là, j'arrive en plein milieu, puis là, je sais pas de quoi tu parles. C'est ça. Fait que le but, c'est si, admettons, on manque de place, parce que je m'attends que ça va être déjà pas mal plein, ben il y a d'autres places en entour. Fait que si, moi, j'ai pas le temps de vous gérer ça, mais la seule affaire que je vous dis, c'est que si, mettons, on arrive au bout, puis que là, vous êtes intéressé à venir, venez m'écrire en privé, puis là, on va s'adapter à vous autres, puis on va trouver d'autres moyens d'être capable de vous loger, de vous placer, de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour l'année prochaine. Hier soir, il le dit pas, mais on a fait plein de prix de présence, on a fait donner plein d'affaires, tout le monde. Les produits de la ferme. Tout le monde est parti avec du stock. Tout le monde a gagné un prix, fait que ça, tout le monde a bien apprécié. Ouais. Autour d'un bon feu, c'était vraiment cool. C'était là. Cool hier, ouais. Moi, je me suis couché de bonheur, par exemple. Moi? Non, mais tu t'es couché après Yann. Yann, ouais. avant toi. Yann ouais, était brûlé hier. Parce que... Ce que j'ai fait... Je me suis rendu compte que les monnettes sont pas mal mieux avant 6h le matin qu'après 9h le soir. Chris, oui. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis pas débarqué de mon décalage horaire de l'Italie. Parce que je me suis aperçu, je suis plus performant à 3h du matin. Fait que là, ben, je me couche tout le temps ben de bonne heure. Parce que si je me couche à 8h, c'est comme s'il était 1h du matin en Italie. Puis, mais par exemple, j'ai réussi à me lever bien de bonne heure et être capable de faire mon ouvrage avant. Non, bien de bonne heure, là, il me dit 3h. Il me lève à 3h. Ah. Mais c'est pas ça l'affaire. C'est parce que même que j'aille à la chasse, je vais être debout avant tout le monde. Oui, je vais être avant tout le monde. C'est pour ça qu'il fait ça. Il garde son beat de chasse. Il garde son beat de chasse déjà. Oh OK, fait que ça, on a parlé de ça. Sans oublier qu'on a une météo qui est complètement malade. Ah, c'est malade. Regardez-moi ça, le soleil vient de se lever, pas de vent, full soleil. Parfait. Puis de toute façon, Nicolas... Le propriétaire de chez Sécorel. il voulait être certain que ça aille bien. Fait qu'on a loué des chapiteaux. L'année prochaine, nous, on va le faire. Fait que, tu sais, s'il pleut... On sécurise toujours l'événement. Là, ouais, ouais, ouais. Pour être certain que ça marche bien. OK. Aujourd'hui, c'est la journée tir à l'arc, arbalète, avec précision archerie. Fait qu'on va être dans le pit de sable. On a, je pense que... Là, hier, j'ai vu, il avait amené des cibles 3D. Je pense qu'on a 15-20 cibles 3D. Vraiment pour faire cool, du tir, pour pratiquer. On a un technicien pour ajuster les arcs, si vous venez avec vos arcs. Puis c'est pas moins. Ouais, non, vous n'avez pas dit ça. Il y a ça. Exact. Puis, si vous décidez de venir faire un tour, Luc a amené son boat exprès pour ça, pour vous montrer c'est quoi, sérieux, là, assis de boat. Ma main au lavabo, j'ai du savon, mais je reviens, là. Mais le bateau de Luc, c'est un... Ranger. Un Ranger. Un Ranger, c'est quoi ça? Moi, je connais ça, j'ai déjà pêché là-dedans, mais pas dans un même. Vraiment pas dans un même. C'est un multi-espèce. Puis, Newell est juste les équipements. Il m'a expliqué que dans la pêche, c'est-à-dire un game changer. Comme ouais. Nous autres, quand la chasse est arrivée, les caméras de surveillance, ça a complètement changé notre façon de chasser. Ben, dans le cas de Luc, les sonores, là, les nouvelles technologies au niveau du sonore, là,
3, 4, 5 dernières années, là, c'est un game changer. Souvent, j'ai les questions en magasin. Luc, ça vaut-tu la peine d'investir sur un Sonor? On va aller faire un run après-midi. Je vais emmener Steph, là, je vais aller démontrer ça. Les performances de Sonor, là, c'est juste fou. Ils sont rendus avec un Sonor, là, là tu me corriges pas, mais la sonde, la façon qu'elle est faite, ils sont capables de voir quasiment la sorte du poisson. Puis comme il disait, ils se sont aperçus depuis que ces sonars-là sont arrivés. Ça fait combien de temps ça existe, ça, à peu près? 5-6 ans. Ça fait 5-6 ans, c'est arrivé. Les gars se sont aperçus que dans les tournois, parce que dans la pêche, c'est les tournois qui font aux les États-Unis, là, aux c'est États-Unis, ça, c'est beaucoup, là, les recherches, ça aide aux recherches et développement des compagnies, ces tournois-là. C'est pour ça que c'est là. Exact. Puis les gars se sont aperçus, dans le cas de la Chigan, je vais reprendre ton histoire, tu me corrigeras, mais les gars, mettons, pognaient de la Chigan de... Le total de poids, tu m'as expliqué. Ouais, mettons, il faisait un tournoi, il gagnait les tournois avec 15-16 livres pour 5 achigans. Ouais. Fait que, tu sais, moyenne 3 livres par achigan. C'est ça. Depuis des années, sur un lac X, depuis que l'évolution des nouvelles sondes sont arrivées, les gars sont arrêtés de pogner des bagues de 20 livres. Ils font des 5. Bon, ils ont augmenté d'une claque. Exact. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de localiser les achigans qui sont en suspension, ces bandes menées. Ce qu'ils ne savaient pas avant. Exactement. Parce avant, on pensait qu'il était dans les roches. Avant, on pensait qu'il était à ses points. Exactement. Ils se sont aperçus que la chigan, elle, a changé ses habitudes. Parce qu'on est capable, avec ces sonores-là, là, si le poisson est à 25 pieds de profond, on est capable de descendre notre leurre à 25 pieds de profond. Puis on est capable de venir voir le poisson venir mordre nos leurres. C'est complètement fou. Après-midi, on va montrer, on va descendre des downrigger. C'est la dernière journée de la pêche à Wananish. Ouais, exact. En passant, pendant qu'on est là, je veux expliquer. Pêche à Wananish au réservoir Kamika, moi le premier, on est ici au printemps. Ouais. On exact. Sait que la pêche à Wananish, ça se passe quand le lac il cale, ouais. Quand l'eau est froide. Puis nous autres, lui, il va arriver avant, puis il va continuer après. Moi, j'attends de dire à Nicolas, les parlants m'ont-tu dans les ruisseaux, là? Parce que s'il me dit oui, m'en viens journée-là. Pourquoi? Parce que les Wananish se concentrent dans les ruisseaux quand les éperlants montent pour frayer, puis ils veulent se gaver là. Exact. Ben parce qu'un éperlant va frayer, puis il va mourir. Ouais. Fait qu'il va revenir par le courant, l'effet du courant du ruisseau dans le lac. Ça va être une proie facile pour la Wananish. Un ménéfrein qui est mort. Il n'y a rien de plus fun que ça. Monsieur Monette, ben, il a appris ça à un moment donné. Ben, c'est bien plus facile que passer. Au lieu de pêcher 20 jours, je vais pêcher juste 2 jours. Quand 2 jours, mais champagne. Tu sais, c'est ça. Mais où est-ce que je m'en allais? Ouais, À l'automne, on oublie la dernière semaine de pêche. Que là, la fermeture aujourd'hui, OK, de la Wananish sur le réservoir. Mais la dernière semaine, là, j'ai parlé avec un de mes chums, Patrick Terrien, qui m'a écrit hier sur les réseaux sociaux. Il m'a dit que cette semaine, ça avait été vraiment une belle pêche à Wananish. Ouais. Puis là, gardez bien ça. Il y a un détail qu'il faut que vous sachiez. C'est qu'un gars comme moi, dans le temps de la... Là, la chasse arrive. On est dedans, nous autres, OK? Mais ces gars-là, même lui qui chasse, là, mais ces gars-là, à ce temps-ci, c'est le meilleur temps de la pêche pour vous autres, right? Oui, exactement. Moi, je ne chassais pas avant d'acheter le magasin. Pourquoi? Je ne voulais pas m'embarquer dans la chasse parce que c'est une de mes meilleures saisons de pêche qui arrive. Tu vois, septembre, octobre. Les poissons vont se gaver. Les poissons là, vont les snorer pour ramasser leurs énergies pour faire l'hiver. La même affaire que le chevreuil. La même affaire que le chevreuil. Exactement. Fait que les achigans, les dorés, au niveau du fleuve, là, ça va être complètement fou les pêches qu'on va faire. Mais ça. L'année passée, Steph, j'ai serré mon bâton, on était le 20 décembre. C'est bon, hein, quand même. Hein? Exactement. Quand même. Là, j'essaie de matcher chasse, on s'en va à l'Orignal. Je m'en vais à l'Orignal dans une semaine et demie, 10 jours. Je me fais un mélange de pêche puis de chasse. Mais la pêche reste qu'en automne, la gang. Là. Puis moi, je le vois là. Moi, ça fait 10 ans qu'on a la boutique, là, que j'ai la boutique. Là. Depuis les 5-6 dernières années, grâce aux réseaux sociaux, les gens voient que la pêche est le fun. Fait que continuez dans la pêche. Serrez pas vos bateaux. Tout de suite, c'est le meilleur temps de l'année. C'est le meilleur temps. Puis... Exactement. Tu fais comme lui. Tu fais pas comme moi. Moi, je suis parti à la chasse. Mais je vais essayer de le traîner. Ah, il y a ça qui va me faire une ride. L'année prochaine. Cette année, oublie ça. Cette année, je suis quand vous. Mais quand même, le fait, c'est que dans toutes les sphères, que ce soit de la chasse, de la pêche, tous les habitats, tous les animaux, tous les poissons sont en préparation de l'hiver qui s'en vient. Fait que ce soit pour le chevreuil, l'orignal, que quand on arrive, là, ils vont se gaver. Là. C'est le temps du gavage. La même affaire pour le chevreuil, la même affaire pour l'orignal. Avant le rut, suite après le rut, ils essayent de profiter du maximum de nourriture qu'ils peuvent avoir parce que ben, que la saison dure arrive de l'hiver et là, c'est la même affaire que pour le poisson. Puis le poisson, tu me corrigeras, mais quand la glace pogne, ben là, le métabolisme ralentisse un peu, ils ont un peu plus de misère. Par contre, corrige-moi encore, mais il y a des fois que dans les colonnes d'eau sont plus chaudes, ouais. Puis là, ils restent quand même actifs, puis c'est là qu'à la pêche à la glace, on embarque. Puis même avec la glace à pogne, là, les fous, là, les mois de ce monde, puis ouais. les maniaques, là, ben, on sort encore nos bateaux l'hiver, on va casser la glace au niveau du lac Ontario, au Bit Quinty, pêche au doré, pêche à la grise. C'est le meilleur temps. Ça va être vraiment cool. Cool! Dans un autre ordre d'idée,
produit fort. La ZEC. Ah, ça, c'était une bonne nouvelle. Steph, mais il m'a dit ça. Vraiment. Cinq nice. Minutes avant qu'on commence le show. Ouais. Tu sais, on parle de la gestion du sol de Virginie. On veut essayer d'augmenter la qualité du sol de Virginie. Bon, toute la patente. Ben, hier, l'UPF a mis sur son site la ZEC des Anses en Gaspésie viennent d'approuver à travers tous les membres de la ZEC le RTLB. Fait que ça veut dire que tout ce qui va se passer dans ce territoire de chasse-là, trois points et plus, va être appliqué. Puis, c'est ouais, bonne nouvelle. Ben, ce que ça fait, c'est que là, ça prouve que les chasseurs se prennent en main. Puis, on va être capable de prouver la différence parce que là, on parle d'un territoire qui est difficile pour le centre de Virginie. On parle d'un endroit... Dis-moi, là, moi, c'est ouais. Où, là, la ZEC des Anges? Tu as une idée, à peu près? Ben, moi, ce que je... Ben, non, je ne l'ai pas non, vu. Non, OK, parfait. Mais d'après moi, c'est celle qui est vers la baie des Chaleurs, si je ne me trompe pas, là, en tout cas... Excuse-moi, tu n'as pas dit non, 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 colle, là, mais... non, c'est pas grave. mais le but de l'exercice, c'est que ce soit n'importe où en Gaspésie, c'est des places qu'il n'y a pas beaucoup de chevreuils. Mm-hmm. Fait que si l'on réussit à les amener ça. Le plan de gestion, on va être capable de faire le monter. Exactement. Puis ça va montrer que, parce que dans, vous n'êtes pas au courant de ça, mais dans toutes les négociations qu'on a eues avec la RTLB, avec l'UPF, avec le gouvernement, ils ne voulaient rien savoir. Nous autres, on se battait pour les ZEC du Bas-Saint-Laurent, puis ils ne voulaient rien savoir. Ils disaient qu'on ne pouvait pas rien faire. C'est des places où est-ce que le chevreuil ne peut pas passer. Avec les changements climatiques, il y en a de chevreuils-là. La même affaire qu'on a à Saint-Michel-des-Saints, exemple. Okay. Fait que tu sais, ils font des erreurs majeures dans la gestion. Puis là, ben, avec des exemples comme... Puis là, je sais que les gars de l'UPF vont embarquer là-dedans. Ils vont aller chercher les données de ce ZEC-là. Ouais, le nombre de chevreuils au kilomètre carré avec les RTB, dire, où est-ce qu'on est rendu. Pis tout. Pour dire à nos logistes archéologiques qui pensent que ça se passe en demain, ben on va arriver avec de quoi pour leur prouver qu'on va être capable de changer. Puis on espère que ça va réveiller du monde puis que ça va placer les enfants. Oui, puis ça peut engendrer que d'autres ZEC embarquent. Ça serait malade. Ça serait malade. S'il fallait que les ZEC embarquent comme celle-là à le fait, puis qu'ils réussissent, ça nous donnerait des territoires grands, privés, que là, les chasseurs prouveraient comment est-ce que c'est. Puis dans un temps, peut-être bien plus vite qu'on pense, ben là, on pourrait avoir le RTLB à grandeur de la province. En fait, c'est pas juste le RTLB, mais d'être capable d'aller chercher une saine gestion des troupeaux, puis qu'on soit capable d'augmenter ça, comme on espère, parce que j'ai manqué cette semaine... J'étais en téléphone, là, je suis occupé, là, c'est fou, puis j'ai manqué... Oh, il fait pitié. Non, ouais, j'avais un rendez-vous que j'ai manqué cette semaine avec la coalition ici dans Laurentides, qui sont après vouloir sauver la pisciculture qu'ils ont au lac des Écosses. Puis c'est ça qu'on veut essayer de changer, parce qu'un réservoir comme le Kémika qu'on a ici, si les gens de la région ne se seraient pas pris en main pour sauver ce qu'il y a dans le Kémika, vous ne feriez pas de la pêche à Wananish comme qu'il y a ici. Je te ferai remarquer que j'étais sur le comité avec Nicolas. Ah, t'es sérieux? Ouais, c'est cool. 15 ans passés avec mon ami François Saint-Louis, M. Serge Gérard. On a travaillé avec les biologistes, on a travaillé à ça parce que la limite de Wananish était à 3 par personne par pêcheur. Ouais. On trouvait ça énorme pour une qualité de plan d'eau incroyable. Fait qu'on a été hâte de la faire descendre à une Wananish. Ce qui a permis de sauver le réservoir. Puis 15 ans, 20 ans plus tard, ben, on a encore la Wananish. Puis la pêche était écœurante, je vous le dis ici. C'est un des number one places pour la Wananish. C'est le Kémika. D'après nous, les records mondiaux sont ici. Je reviens de parenthèse. Ah, t'es sérieux? Ouais. D'après nous, on a vu les frayeurs là, en octobre, quelques années passées. Puis on a vu des spécimens là, frôlant le 36-37 pouces. Là. Fait qu'on parle des grosses Wananish, là, pas loin du 20 litres. Quand même. Fait que tu sais, ben, c'est nous autres qui peut faire le changement de la patente. Puis là, ben, comme Luc a fait avec la gang ici, avec Nicolas pour le Kémika, là, on voit que la gang en Gaspésie veut essayer de faire le coup avec le RTLB. Fait que tu sais, on est plus conscient, on se prend plus en main. Puis même moi, en boutique, là, en magasin, ça, tu le vois peut-être pas, mais tu le vois sur les réseaux sociaux, mais moi, en magasin, je l'entends plus. Les gars, ils veulent. On est rendu là. Ouais. Ben moi, hier, on a parlé avec les gars ici, tout le monde qui était ici. Tout le monde veut ça. Puis j'ai fait comme un semi-sondage, il n'y a pas longtemps. Puis c'était 90% des gars qui avaient répondu à mon sondage sur On Jase. Ils veulent tout avoir la RTLB. On est rendu là. C'est exact. Ça. Fait que ça va être cool. En terminant, dernière chose. Ben hier, il y en a qui venaient pour la chasse, pour les cliniques qu'on a faites, mais il y en a qui viennent ici pour la pêche en même temps. Fait que hier... Sur le réservoir, la pêche au brochet est excellente. Oui, c'est ça, hein? Ouais, j'ai vu une couple de dilés qui se sont pris. Ouais, Karine, qui est avec Précision, là, elle s'est lâchée avec son chum, puis ils sont venus avec un beau dilé. Vous allez voir les photos, vous allez voir ça. Fait que c'est vraiment nice. Alors, c'était ça. Là, on jase. Hey, checkez bien ça. Je monte ça. Maurice, tes batteries ne marchent pas. Ouais, ils ne montent pas. On oublie ça. Ah oui, ça marche.
Ça, on aime ça. Ça, c'est des angles. Ça, je te dirais que sur mon bateau, là, c'est les questions que j'ai le plus, c'est ça. C'est quoi les deux poteaux noirs en arrière? Ben là, vous le voyez. C'est cool. Fait qu'on vient appuyer sur une manette, ça vient descendre mes ancres. Fait que c'est des ancres en eau peu profonde. C'est des ancres que je peux aller jusqu'à 10 pieds de profond. C'est de la compagnie Minn Kota, c'est les Raptors. C'est juste magnifique. Imaginez le boat après. On aime ça. Quand t'as Spider-Man qui est en arrière et qui tient ton boat dans le fond du lac, là, on s'entend, OK? Venez voir ça aujourd'hui. Je vous invite, là, on est ici encore toute la journée. On va s'amuser avec le boat à Luc. On va être après tirer de lac, n'importe quoi. Ça vous tente, c'est gratuit, hein? Vous arrivez juste à la gate, vous dites, on vient pour l'événement, Monette, c'est Corel. Puis vous passez, vous venez nous voir. Là, après-midi, à matin, on est au chantier. Tirer de l'arc. Ouais. Après-midi, on va essayer plan d'eau à s'amuser avec le bateau avec Spider-Man. On va essayer. On va voir s'il peut des toiles ou ça de place. Mais vraiment, fait que passez une excellente journée. Merci d'avoir été là. Likez, partagez, invitez, mettez des commentaires, venez poser des questions. Puis on va être là demain matin. Pense pas que lui, tu couches ici ce soir? Non. Ah! Ah, moi oui! Ah, gros journée au magasin, ouais. C'est vrai, le stock rentre, c'est effrayant. Fait que si vous avez des questions, je n'ai vu pas, puis nous autres, on se voit. Demain. Ciao tout le monde!